Avèk deklarasyon sa koupre al tende la, ambasadeur Amerikean efektiveman bay chef revolutyon an ki se komana Gifelip rezon a plus ke 1000%. Gyan pil moun ki tende deklarasyon an ki ambasadeur Amerikean fe, yo mal etepretil. Ou di mwens yo etone. Emosyon fe ke moun yo ouè sa ke ldi a yon fason etepretil. yo fason tou, ou di mwen sprenl pou sa ke liye ya, e pi di tout kalite bagay de liye. Men pabliye, mwen men mata ke moun ka preflechi, e pou mpote emisyon sa pou nou, ka prepare emisyon sa pou nou, nou ese we sa ki di ya nan plize sens. Nou analize el, nou chache komprenni, e pi pabliye nou, se yon diplomat ka pale, pabliye, yon lè yon diplomat a pale, li ta plus important pou ou, kom moun ki nan mikwo, ki pa gen ekspertise, ki pa gen kompetans nan domen sa, pou ta jwen konsultasyon, yon moun ki fet diplomasi. Voilà. Ebe, eh se ekzaktman, sa ki nou men nan Infobeto, nou fe, paske pa bliye. Platform YouTube Infobeto, se yon platform ki gen pil fami, nou gen la grand fami Infobeto, se yon moun ki ekstrememan kompetans, Sa ve di ke sou platform ki rich avèk kompetans. Telman nou gen tèt ki byen fèt, telman gen nou gen de moun ki byen preparè. Eme, nou kon fasilite pou ke nou te chita, lèn fin tande, ebyen, intervensyon ambassadeur amérikè an, epi pou m di, un, Gifilip, moun frèr, tu a rizon. Chef révolution an, ou gen rizon. E anko yon fwa, ou gen plus, ou dwe, ou dwe motive plus davantage pou batay. E ou dwe konen ke fo, vrai formil kou genyen pou abo de problem nan, nan peyi da iti an, e be, ou dwe konen ke se meyèr, meyèr, meyèr formil la. E ben, map di nou ke bagala komplike pe pa isyen apre ke nou fin tan de e deklarasyon, e ben, ambasadeur Américains. Les compliquer en même temps, les faciles tout pour si vous prenez temps ou prend sans, pour que vous compreniez ce qui dit. Essayez et essayez éviter faire mes interprétations. Mais nous-mêmes, j'en dis là, nous, nous venons expliquer et nous attendre d'abord intervention. Nou vin partaje la ve ou, ou pral tan de sa ki diyan, e pi wap kompren efektiveman posisyon Gifilip gen. E pa blye, avan ke nou rentre la intervensyon ke ambasade Olanfeyan, ma praplen ke Gifilip te l'enprison os Etasyon de Amerik. E Gifilip te prantan l pou l'etudye an de denprison an. Gifilip apren an pil bagay. Et ou après Guy Philippe discute différent par rapport avec tout ce ka fait politique en Haïti. Ou après approche Lio paraît d'un approche ambassadeur américain. C'est pas qu'on que Philippe pas ça là, il comprend ça après que ils approche qui différent. Et peut-être que li étudié ici aux États-Unis d'Amérique, ambassadeur là, c'est un ambassadeur américain. Ça veut dire que quelque part au cas bagala dans le nan Haiti, se même sens même penser avec yeux que comme on a guéri les problèmes dans Haïti, c'est avec mêmes yeux ça ambassadeur garder problème non et que les dix à et puis au fond on regarder même ambassadeur qui font déclaration qui se moins et c'est là encore une fois Mabdi Haïti t'as semblé prendre un complot pour tout le bon et ça qui cause nous prenons le temps des interventions hein même on nous prend tout le temps pour nous tendre tout ce que PAL dire. N'a pas noté point par point. Parce que ce que PAL dit là, c'est extrêmement important pour même en tant que Haïtien, bataille pour que le pays sorti dans ce que nous là. Sans qu'une ne soit pas fâché, sans que ne soit pas sans que ne soit pas rien qui doit Mais sauf que, n'a pas quitté des commentaires qui très sérieux, montre ke, qui montrent que nous sommes des gens qui comprennent ce avons dit là. Eh mais qui positionne pas, mais ça qu'une pensée, mais opinion nous, nous exprimer dans l'espace commentaire. Là. Tout d'abord, avant que nous aille plus loin, quittez-moi, profitez pour que saluer non profitez pour me dire bonjour, bonsoir tout le monde. Et de pas qui vous attendez-nous et vous regardez-nous. Hein. Encore une fois, c'est un plaisir pour moi, pour que avec nous sur la plateforme Panouan, hein, qui est la plateforme YouTube, Maman peba la plateforme Pépotean plateforme qui pape, pas plateforme qui a dit le plateforme qui croit dans la vérité, plateforme qui, qui croit dans la e bataille pays, plateforme qui croit que c'est avec combat que nous avons mené là et que nous capables de permettre que le pays sorti effectivement l'entroupe qu'il trouvait là. Plateforme YouTube InfoBeto, la grande famille InfoBeto, un eh ben gros bout de salutation spéciale pour chaque grand nous, Madame Evelyne-Louis, mes amis, madame Evelyne-Louis, Fabrilot, après l'eau, après l'émission. Désolé pour hier, d'accord. Et ça le chaque nanon, capitaine des noms, effectivement capitaine des nous là, je dis. Ambassade américaine dans la coupe d'Haïti touchée par balle, ou du moins Il y a attaque qui fait sur l'ambassade américaine côté que y a des machines qui dans parking ambassade américaine qui prend balle. Et pour une parce que automatiquement image ça yohwell ou bien attaque saliwell, gagnent Américains qui dans l'ambassade américaine. Il y a des militaires sérieux qui n'ont pas l'ambassade américaine dans le pays d'Haïti. Il y a des combattants tête chargée qui n'ont pas l'ambassade américaine. Il y a des drones, il y a toute qualité matérielle. Après l'attaque, je pense que l'ambassade américaine tape tout nous, un petit piment dans sac de la commune de tabac. Tout fait un nettoyage pour nous. Tout passe un petit peu à pour nous parce que... Sac Gamba, nous tous touchés, si ou même ou pas épanier, et tel pas comme nous même nous manquons de défense, comme nous même pas de volonté politique pour que nous aider nous, et bien même pensez que, après attaque qui fin fait sous l'ambassade, ok, qui est sous l'ambassade américaine, après attaque, ça me pensez que, et ben l'ambassade américaine déployé, déployé yon troupe tête chargée, avec drone tête chargée, vous hélicoptère de combat, la gueule dans la commune tabar, et puis mettez bagay, dans même monde pour mettre là. Mais l'homme gade moué, Ebe, ambasadeur Ameriken, fè deklarasyon, li fin fè ya, epi pa la süt pa gen anyen ki di, ebe, kelke par, sa vin fèm reflechi anpil, e ankon yon fwa mwen di, bon sol moun ki kapab rezout poublem nan, se efektivman komanda Gifilip. Gifilip kapab rezout poublem nan. Men sepadan, Gifilip gen anpil menas, soudol, sistem nan ap menase Gifilip, e genyen, chef suprèm, et groupe terroriste fantôme section qui n'a pas que nous au courant de ça, parce que nous n'avons pas à temps, et mais définitivement, nous avons de information et que chef de gang fantôme section qui c'est Ralph Yuri Chevry, et ben monsieur Rivé chef de gang, ça que nous regardé sur l'écran, son chef terroriste qui est lié, DCPJ gagne toute preuve tangible à DCPJ DCPJT avis de recherche derrière. Elle, pour le crime qu'elle commet dans la société, pour le kidnapping qu'elle fait. Parce que, par non, c'est Younan terroriste qui était chef sécurité Nenel qui était Renald Koudoua. et bien, et bien, et le CPJT, mettez le code monsieur, l'homme s'est arrivé au niveau de la DCPJ, monsieur Palais, ta coupe pète maille, et bien, le CPJ, effectivement, ça, monsieur Dio, sur le téléphone, il la vérité, il a confirmé, il a message, Ralph Richevry côté qu'on a voué l'argent par groupe terroriste pour la dit al bouler, al tuer, al kidnapper, al faire toute qualité bagaille eh bien, ben dernier crime qui été fait là c'était crime qui été fait sous Eh ben citoyen ça et eh, qui c'est trouvé dans eh eh, eh, Delma 40B c'était Ralph Fiery Chevri et eh puis Nenel Kassi qui ont coordonné mouvement ça c'est son équipe riche dans le kidnapping parce que pas oublié et l'homme a couru sauver qui était pays d'Haïti pour que la DCPJ pas de code n'a et ben monsieur traversé traverser frontière là avec deux policiers avec plusieurs mallettes l'agent, le et, et militaire dominicain est monsieur avec drum l'agent, ça et bien il y aurait regardé qui responsable et militaire sur frontière là et bien les regardé il y un pile américain et bien responsable qui sur frontière là télée et commandant chef la OK il eu fait appel et puis l'état dominicain qui était dépêché des hélicoptères sont sortie dans la so capitale Santo Domingo, et bien, dans la base navale La qui trouvait tout près à Benidah tout près de dans la capitale Santo Domingo, et bien, ça hélicoptères été atterri sous frontière, viennent chercher chef de gang, chef terroriste là, chef qui tuer ça, tuer à gage, ça, criminel qui c'était un criminel dangereux, extrêmement dangereux, d'accord Eh bien, et DCPJ, quittant mandé la Dominicanie pour été transférée, M. Bali, que l'État dominique était d'accord, eh bien, le système a ta ces griffes multiplier multiplié les contacts, utiliser, l'organisation des droits de, droit de, droit de l'homme PAIWA, qui est le RNDDH, que Pierre Espérance, Pierre Esperance, ou bien Pierre Espérance a dirigé, eh bien, écrit des organisations des droits de, droit de l'homme en Dominicanie, qui a défendu pour tout le monde en Dominicanie, sauf les haïtiens, ok Les dominicain dominicains qui a et nous oui, comprenons, ils ont écrit avec l'État dominicain pour dire comme ça qu'il y a un citoyen haïtien qui est Ralph, il réchèvri, qui a persécuté par le gouvernement haïtien. Le président même qui a été persécuté, c'était Jovenel Moïse qui a été dit persécuté. Et haïtien. les haïtien criminel ça, tu as le joindre oligarque n'importe fais contact pour eux. Bon côté, autorités dominicaines, tu as le fait, monsieur, Joindre asile politique à Dominicani. Eh bien, chef de gang ça, qui n'a pas gardé sous l'écran, et c'est l'information que je gère là, t'as semblé monsieur en Haïti depuis sous Ariel Henry. mais quau Depuis sous Ariel, monsieur en Haïti, et ça cause n'a pas il y a un pile kidnapping qui a fait, c'est gros monde qui a kidnappé. Parce que monsieur lui-même sonne qui fait Kobli, l'a kidnapping. Et chef de gang ça, c'est si que la DCPJ a arrêté Furi-Chevry pour le crime que commet, après toute preuve qu'elle a sous si si la DCPJ n'a pas arrêté Ralphie ou n'importe n'a pas de presse, qu'on ait que la DCPJ n'a pas besoin de faire rien du tout. N'a pas pays Parce que vous pas été de mède Ou là, pour que nous avions des petits jeunes garçons, avant de prendre deux petits jeunes hommes, nous devons mettre toutes accusations sur sous nous arrêter arrêter, passer dans l'eau, là, nous fait de toutes qualité qualités de la nous humilier humilier. Et puis après, nous, je n'ai rien comme preuve, nous libérons. Fami... Alors, pression faite, nous libérons. Là, nous libérons. C'est après, nous prenons 10 lettres photo. Avec des documents qui nous ont imprimés, toute qualité de vie par le bokoté. Nous allons porter des excuses publiques. Beaucoup de familles, beaucoup de sociétés haïtiennes, beaucoup de amis, nous n'avons qu'à retirer photo. Mais si je ne sais si vous avez perdu la vie, nous avons dit que la police a blessé mortellement deux chef de gang qui a attribué qui, qui avec un groupe de gangs qui, qui alors que chaque méchant a dirigé. Nous méchants. Nous méchants, nous pouvons clair que la police n'a rien que l'appréguer. Et pas plus tard que hier, la poli, depuis avant-hier, je me dit, la police nationale d'Haïti postait posté une photo. Une photo qui gagnait une zame là-dedans. Qui photo liée, une photo qui gagnait une zame, elle est... Comment elle est AR-15, kon sa, mte wèl makè, AR-15, kon mal gade lan konan e bagay lan, paske mte fès kwen chat lan, e yo di zanm nan se yon AR-15, ok, e ben, lò mal gade pou mwè, e, ki sa bagay la ye, se, naturelman, yon krim ki te pase os Etats-Unis d'Amerik, krim sa te pase os Etats-Unis d'Amerik, e, e, e foto a sou ekran, Krim nan fèt os Etasyon Amerik, e et sete yon fiziyad ke yon individite fè nan yon l'Eglise. Se krimou, mesye. Desole, ou pe pa isye men, m'oblije mette sa, e paske, paske, ou sak ap pase nan peyi an, peyyan, nou pa kapè di la polis la. Se ke gen de groupe de gang talè, pa mwitrej, e ve volò sa sou ekran ap tounen sou li, san zave, asasen. E, e nou pral tende, sak pase yan, ok, e, nou pral pase yon, nou pral mete sa, pou nou we, si nou dava fe ou we imaj sa, ki pwede ete enteresan pou ke nou taf oke ome forvivele. Meni, la DCPJ, meton dok, mette yon dokumen sou page, la polisa son da iti. Yo di ke, gen yon krim ki fet, alo, mpral poste pa DCPJ a pou nou tou? Mette wot, sa me chaste, mette wot. Sa nap kade sou ekran, C'est un crime qui te fait ici aux États-Unis d'Amérique. Je regardé ce Washington Post qui été posté. Son physique que l'individu te fait, en dans l'église. Eh bien, là, la police est venue, ils ont pu bourrer stopper mais ils ont montré aux armes ça, que individu tape et fait massacre là, dans l'église là. Et puis, Sandal qui était dans paix de l'individu, eh ou sandale Sandal arrêté à terre. Les âmes, ils ont dit c'était un AR15. C'est comme ça que des a arrêté. E mè yon kon sa la polis fè? La polis gen foto sa, li pran l, ba mal moutre nou sa la polis metè, ke la polis asan l da iti metè, sou paj li, pa pli ta ke yè, kom kwa ke, yo touye Madame Izo, nan aka yè, mè sa wò! Hey! Mè sè, wè e ba gay sa? Hey! Mpoko jom se sou bè kon sa. Bo avèk rè amò, mè sè, rè amò vin... damo viin fem santimi si c'est dernier tête sangouin et c'est qu'on y a la, e la pataka pa volo fo la pataka pa tomber dans kidnapping monsieur son petit voleur lié eh Hein, eh Hein. monsieur frère et eh, eh, monsieur a son petit voleur il pa ta ka bon monde comment le mettre ça des cp je metti a fo la pataka et pas impliqué dans assassiner agent b eh Hein, son famille pas sérieux son famille voleur vicieux son famille cap travailler pour vente eh Hein, euh euh non bon monde la mousse, on a un homme qui est grand au Washington, qui vient à Haïti, mais qui vient faire toute qualité, Zach Malonet. Bon, moi, bon, franchement, messieurs, je a cherché à manger de tous côtés. Moi, c'est lui-même qui est la véritable porte-parole. Mais la police prend ça, oui. La police a le lui comme quoi que a fait. L'autre, c'est un monde qui fait ce qu'une chatte là, qui montre aux mes que nous pas aux États-Unis, mais dans telle année. C'était depuis, en 2010, depuis eh, novembre 2019. 29 novembre 2019, crime, s'était fait dans l'Église des États-Unis. Mais qui que la police nationale d'Haïti prend, oui. So là, la, oui. la police paye, oui. Ils prennent, ils mettent sous l'écran. Ils mettent, dans un affrontement, la police nationale d'Haïti, dans le cadre que la police a mené, et dans e, la zone de ok, plusieurs bandits e, 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 sont mortellement blessés, ok, dont une femme, ok. Ces derniers faisaient partie des des de bandes criminelles opé, opérant OK dans cette localité et tel bagaille tel bagaille OK ça veut dire que zame on regarde sur écran ces zame bandido bandi dans bandi Savien. vient bon faut que ça vient, vient dire la police bam zame Zam ça dit, pour moi ba moi sans honte beaucoup de sans honte en pile et c'est pas sérieux c'est pas honnête ça on veut dire dit dites en opération la police a mené dans un affrontement gang avec gang, la police avec gang, mais eh la police, blessé mortellement, des bandits, des criminels notrois. et puis, nous avons dit, bandit, ça a une femme là dans le tout. Ça veut dire que c'est sans dalle femme dans le montrer là. Monsieur, quand tu a que bêtises avec une nation, monsieur. Gas hey! hey! la miséricorde. gasse la miséricorde. Et nous avons sur sous ça, nous avons tout sous lui parce que ça n'a pas carité comme ça. Mais l'image mais, mais, mais là, oui là maintenant nous sommes en 2018 oui 29 novembre 2018 que crime s'était fait dans l'église aux États-Unis d'Amérique et si m'ta montré nous image physique ça ça va être chargé les gars sacrifié mon gens ba coup de balle et go quantité monde qui été assassiné et ben ils pris ça ils mettait sous page la police ils prend image ça et puis ils mettait sous page la police comme quoi que ils ont tué une femme qui en gang en Haïti ça veut dire clairement la police n'a pas rien a fait comme opération. C'est menton y a ba avec le pays. La police a besoin de gang la, là. Foc gang n'irrite là. N'a pas un a fait comme opération. Et puis, il y a tout sans avec qu'à prendre c'est pour eux. Il y a tout mal pour obtenir la radio ka pouvé bec avec comme quoi que la police n'a si, l'a fait. Il y a Et puis, comme si, mon pays a fini, monsieur. T'en es les mêmes. Il a fait mal. Il fait mal en pile. Désolé les papa ici. sinon gens, les sénoués Franchement, mais c'est grave, c'est malhonnête, monsieur. Oh, monsieur. Monsieur n'est-ce si méchant, monsieur on ne peut pas périr comme ça, monsieur Comme si pour la faire, la population comprendre que nous avons des qui dans pendant que nous sommes matériels et nous des policiers qui commettons des opération dans sa vie. Comment nous sentons-nous, mêmes Les policiers qui, sur les terrains, qui étaient capables d'allumer des choses dans mes vies, nous ont gardé pour nous à ce niveau-là, pendant que nous ne pouvons pas mener nos Comment nous sentons-nous Nous sommes là, mon cher au plus, plus pas son cadavre gâté sans ave si grand goût mal propre côté nouy ban gang sale ban pourriture si, ban monde senti côté bon assassin toi ou ta bon Dieu dans celle football peuple on solution avec nous Nous faut vicieux trop Moun a mourir dans nos pays et ben de faire cobla pour nous vivre avec famille nous dans Washington ban sans ave On connaît l'hôpital a manger comme ça quand même l'hôpital a fout manger la ça ou mal parce que nous tout on pour faire cancer pour faire nous péter sans ave un ben monde senti côté nous. Un criminel gang notoire. Un terroriste costumé côté nous. Nous méchants avec une population. Nous méchants avec un peuple qui a souffri. Un ben sans ave. Un ben monde sale. Méchant, même. Désolé, papa Mais c'est malhonnête, ça. ça, ça c'est grave, ça qui est passé là. Nous méchants avec un peuple qui a péri en bas de bal gang. Et puis la police a matériel assez pour frapper gang. Yo. Mais nous ne pouvons pas et chaque monde qui vient pour croire, nous montons un bloc pour assassiner les gens. Ah, je comprends. Oui, nous comprenons. Nous comprenons, nous souhaitons que Philippe prenne note. Nous souhaitons que chaque Haïtien qui a fait un pays pour permettre que le paysage saute dans ce sac de nous prenons note. Et nous devons connaître que, on ne sait que nous devons faire avec nous, C'est fou pour te bourrer. N'importe qui, si on tous, nous tous, nous tous. Si la mot catouille, nous tous, nous tous, nous tous.

Hai men. Vreman dezole pe pa isye. Ok, an nou retou retoune nan... E, nan nan gran pouen ki nou genye pou nou de devlop avon akademisyon sa. Non gen nou genye pou nan al pale bien syo de e, chev gang Fatoum 69 lan ki rentre nan peyi yan e, ki se yon kriminel notroy, yon tsyi agaj men, men to oua asasensa ki te genye avec des recherches derrière elle, qui qui sauvé qui te payé qui était pris en asile en Dominicanie. eh ben je dis, à qui tourne en Haïti qu'elle continue à faire kidnapping après au fin démolon pays fait toute une série de crime dans pays riche sous de populations population eh ben Monsieur décide de tourner pour un pays pour continuer avec opération kidnapping ni et eh ben nous comprenons nous ben nous disons prend bonheur avec Monsieur parce que puis bonheur c'est grand matin en avance, et en allant dosè kèm tap pa laven ou talèr. Ambasade Ameriken e subi yon atak. Machen ki ant prouve l'ambasade la, mashen kwa diplomatik, yo touche pa bal. Tout moun te panse ke ambasade Ameriken tap reagi nan mèm nivou avèk bandi yo. Nou pa jen reaksyon an. Ok? Il est important pour que nous comprenions effectivement ce qui a passé. Nous devons comprendre ce qui a passé. E mpase si se sol mwayen, mpase se apre atak sa ke gang yo fin fesou ambasad la, ambasad da ta pote nou la men fote ou bi moun ta ba, e kom yo toujou di, pa mi diri, ti waj goute gres, mpase se ke ambasad Ameriken nan operasyon poul bay repons avek atak ke li subiyan, eme nou te kato joun an ti lansye, men kom se pa li ka, nou peutet apè ou bagay lan lout fason, men dik ambasadeur lan, fè yon deklarasyon ke m touvel ekstrememan importan pou nou tendil ansam avem. E nou doutendil avèk an pin enterey Parce que mettez exactement la partie quand il y a des questions posées à, ne pas le temps de répondre là. Ambassade américain en Haïti, ambassadeur américain en d'Haïti, qui s'est, qui e, s'est capable de dire non. Citoyen ça, ok? Qui c'est citoyen ça? C'est cito, c'est Tony qui s'est ça, et M. Palais, avec Wendell Theodore. Qui n'a profité saluer Merci pour l'interview ça. Nous tendez, me comprennent. Mais m'a pas vite entendez en ce moment n'a pas gardé l'expression son visage ambassadeur d' tout pas, non, c'est un diplomate qui a pas agir avec émotion, pas faire commentaire émotionnel, mais tendez et puis comprennent et puis pas la suite ou capable d'agir. En attendant avec un peu d'intérêt ambassadeur là Hollande ici. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'ambassade entretient par moment des relations avec les chefs de gang? Si oui, dans quel moment? Qui répond que l'ambassadeur Albralbaye? On reprend la question encore, Monsieur Wendell Théodore. On reprend la question encore pour nous comprendre bien son question qui est extrêmement importante. Et son réponse qui est extrêmement importante, et bien qu'on t'en réponde là. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'ambassade entretient par moment des relations avec les chefs de gang Si oui, dans quel moment En termes de négociation avec les gangs, non. Non, non j'ai pas, pas dit négociation. J'ai pas dit négociation. Euh, négociation peut venir après, mais je parle de relations. Quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts, des gangs, et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas en train d'avoir des, des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Euh, le... Est-ce que vous Est entendez bien? Mwen mwen repren ni, mwen mwen repren ni. <laughs> e e, e ti John koupe sa pou nou? E kia skap koupe pou nou nan komentèr e, lan? Alo nan, nan emisyon la? E ti John kwa da koupe pou nou? Ti John kwa da koupe pou nou? Eske nou tan dey kestyon an? Eske nou sezi bin dey repons ki bay la tou? Nan remen nou FM senti sa? Mwen mwen repren ni? Nda remen nou edem jere sa. Eske nou tan de, kestyon an, eske nou kompren, repons lan. Mwen al tan de anko yon fwa, paske mwen mpou mwen sa importan, e konsan ap demare emisyon an. Kite komantir pa nou, paske emisyon sa, mwen chè bagala importan anpil, e pou ke mde fè nou tan del. An avansè la anko yon fwa. Kestyon, repons. monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'ambassade entretient par moment des relations avec les chefs de gang? si oui, dans quel moment? en termes de négociation avec les gangs? non, 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 dit, non je n'ai pas, pas, pas dit négociation. j'ai pas dit négociation. négociation peut venir après, mais je parle de relations. quelles sont les relations de l'ambassade des états-unis avec les chefs de gang? Non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts, des gangs. Et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des, des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon mm -hmm. personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Très bien. Est-ce que Ma le repon. Petet kou pral dim. Anon, ah yon ambassade Ameriken pa ka koubini ka vek gang tel bagay. Yon e sou pral dim. Eboke. Sa se nou chak ka genyen. E, 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 e yon aposj diferan. Sou intervensyon. Ou bi repons ke ambassade yon lan bay lan. Sa ki importan pou mwen? Mwen menm koum haisyen. Ki gen mi kou sa chak jou. Ki fin parlansan ma ven nou. Ki fin poten informasyon pou nou. ke vin batay avèk en mi peyi sa, li e portan pou mwen pou ke mwen tan de lave konzorey ki pètèt diferan, paske mwen ap liye, mwen reflechi tout jou, tout jou, tout jou chak, jou, chak jou, chak jou, chak jou, sou situasyon kap devlopan Haiti ya. Sa di li nan tèt mwen. Lo mwen ap pale de Haiti, la yo pouzo mwen nou kesyon ki gen apwa avèk, gen, li ekstremèman importan pou mwen, Pour me là avec nos un oreilles, une oreille, comme tu as dit ça, nos oreilles que nous gagnons capter des sons qui, qui peut-être pas déranger les oreilles là, mais un son pour nous capter ka un bagaille et puis pour nous peut-être contribuer avec aboutissement une solution. Par contre, si peut-être m'a bien exprimé maintenant façon ça. Mais qui me dit non que moi étant des interventions avec nos oreilles que nous doué faire de bagaille la caille nous et c'est nous qui doué comme ça pour le faire. Hein. Ambassade en clairement. Pour protéger l'ambassade, ça veut dire établissement, etablis, hein? pour sécurité l'ambassade, là, faut toujours qu'on ait contact avec criminel yo, gang yo. C'est pas l'autre c'est éviter l'homme. Vite l'homme évitez l'homme qui contourne tabac pour sécurité personnelle ça veut dire que personnel moun qui travail yo moun ka travay la caille, haïtien ou américain moun qui travail à l'ambassade américaine haïtien ou américain veux faire comme ça pour, pour sécurité personnelle yo moun yo travaillent travail dans l'ambassade là yo communiquer avec gang nan. mais ce n'est pas pour autant que que ça aussi des criminels il a pas oublié que c'est des criminels mais par conséquent pour protéger vie moun ça qui peut mourir, qui peut être victime, vous parlez avec gang gang. Ah ouais. Peut-être, je suis d'accord avec Mais ce que l'ambassadeur a dit pour moi, je prends parti de ça. Je pas croire, je ne peux pas... Dès qu'il y a un dès qu'il y a un récit sous parti que l'ambassade américaine a souhaité tout profiter dans un petit pour ne gérer le problème dans le tabac, mais peut-être on n'a pas quitté ça, il n'a pas vu la que j'ai appris, que je parlé de lui. Pour protéger celui qui peut être victime, il mais, m'a parlé avec le criminel là. Ce n'est pas pour autant que je ne connais pas le criminel. Mais, est-ce que l'homme parle avec avec c'est criminel tout? Et c'est là, eh? et c'est là pour nous comprendre que qualité de dans la radio traditionnelle, qui a posé ouvert, il y des fois, qui a dit que, ou même qui parle, ou même qui est dans les médias en ligne, qui a barbecue avec Jimmy Rizier ancien policier dans le pays d'Haïti, micro, ou ou c'est gang. Si on parle avec le barbecue, ou pas que l'homme jeune parle avec le barbecue pour ne pas pou parler avec que c'est meilleur monde pour me parler, c'est que m'a de solution avec problèmes de sécurité. C'est meilleur pour me parler. Et après, tout les tout tout journalistes américains qui viennent en Haïti, c'est meilleur pour parler. Et c'est parler plus. Et pour moi, pour me dire qu'on est les gars, j'ai dernièrement, nous faisons bonne de pour me pour partager Et tout ça, je je une plume. Ou plume pour me documenter. Et les garçons m'a dit que moi j'étais pris une plume, moi j'étais noté. et garçons des bagages qu'on dit moi vous dites allez vérifier mon chemin mener enquête, me causer. Bravo barbecue. Merci parce que tu es Parce parce que tu as choisi de partager on sait des bagages que grand public peut-être pas de Je M'a dit peuple là, toi tu m'a pour nous. Qui t'aime collecter toujours. <laughs> Monsieur, nous <laughs> nous ça très bien oui. Tout ne cap oui 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 mais infoberto. On travaille. Pour que nous nous sommes. Nous travaillons pour la plateforme Salier. Nous sommes à zéro. Nous sommes 1 000 abonnés. Nous sommes 1 000, 30, 1 000, 50, 1 000, 40. Mais aujourd'hui, nous avons plus de 200 000 Haïtiens qui nous suivent nous sur la plateforme YouTube Infobeto. Nous sommes sûrs que, dès le départ, tout le monde qui est monté, ce visage, ce visage, ce énergie, ce sécurité, ce sécurité, qui est dans ce qui est dans qui est dans ce Ki fè ke yo te rentre nan fami sa, yo te di fòk ke nou kontinye suiv jen gason sa e supporte l pou ke l grandi. E nou grandi ansam avem. Platform nan si platform pa, m, pa nou. Li pou mwen, li pou nou, li pou nou tout. Kelke sa sa nou gen yon, ke nou vle pale l sou platform nan, e pi nou senti ke se la pou n'pale l, mpa ka din pa pale l. Di beto mvoye odyon odyon pou, pou mpas, pou pase l pou mwen. ça qu'on ko gagne comme problème. Voyez, il n'a pas celle pour vous. Parce que c'est plateformes plateforme pas. Et vous, pour vous ait envie. Sans même libérer la privé côté de l'IVA. Continuez. Partagez l'information avec nous. Pour que nous soyons capables de gagner crédibilité que nous. Pour nous faire travailler nous. Dans le niveau de l'avancée. Sans que nous ne soyons pas critiques. qui qui plus ou moins critiquent nous. Parce que c'est des assassins. Ils ne peuvent pas arriver sur nous. Parce que nous conseillons, nous pas faire diversion, nous ne pas vaciller, nous ne pas, pas si, nous ne pas passer pas là, nous ne pas faire, nous ne pas dire n'importe quoi Mais sauf que nous conseillons, nous respectons peut-être nous, nous pas battre avec personne, nous remet tout le monde, mais nous disons à ah, nous battre pour Haïti. Ambassadeur américain fait déclaration, hein? me dit à partir de là Guy Philippe supposé et Gon aproche ki plu kler nan demache pou ke nou avanse avèk revolutyon. El te kler tou. 17 oktob lan, si se zan pou nou chache, fon chache zan, fon jen zan pou nou fè revolutyon. Mwen pou nou libere peyi ya, si se zan pou nou pran, Nous tous, on joue ensemble pour une bataille. Pour nous mettre en sécurité dans le pays. A, si c'est si avec barbecue qu'on si eh ave a parlé, pour barbecue, parler parle avec l'a qu'on qui Même si nous connaissons ces criminels, c'est barbecue qui ne peut pas pour nous. Barbecue n'a pas l'avoir pour nous. Dans le barbecue, nous ne pas l'avoir. Pour nous protéger, il ne faut pas mourir. les gens qui mourent déjà. nous comprenons que la douleur est grave. Ça mourent déjà. La famille ou doit avoir une justice, mais pas conséquent pour nous protéger ça pour ko victime et bon ça n'a fait n'a fait tout ça qu'une capable pour nous protéger ça pour victime pour nous protéger ça pour victime yo fond monsieur nous prêts pour une dialoguer ambassadeur américain mes questions mes réponses et mes questions en quittant le marché la net pour nous effectivement qu a interview. que j'ai à dérouler. monsieur l'ambassadeur est-ce que l'ambassade entretient par moment des relations avec les chefs de gang si oui dans quel moment en termes de négociation avec les gangs non non, non j'ai pas, pas dit négociation j'ai pas dit négociation euh, négociation peut venir après mais je parle de relations quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gangs non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts, des gangs. Et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas intérêt d'avoir des, des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que vous leur demandez? dans ces échanges-là Non, par exemple, c'est de voir est-ce que, bon, il y a des actions dans notre région et même dans les derniers jours, l'ambassade et les bâtiments de, de l'ambassade étaient touchés par les balles, les voitures de l'ambassade étaient touchées par les, les, les balles, alors de voir est-ce que c'est vraiment une attaque contre l'ambassade ou c'est à cause de conflit dans la région. Alors, c'est de confirmer les intentions de, des gangs, mais c'est limité à ça. Nous n'avons pas entré d'être le, 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 le point de contact avec les gangs. Très bien. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que euh, quand les chefs de gang doivent recevoir des journalistes américains, est-ce que vous les appelez pour leur, dire de, pour leur demander un cessez-le-feu? Pour moi, bon, nous n'avons pas contrôle de la presse américaine. Depuis longtemps, j'étais préoccupé de voir ces journalistes qui veulent parler avec les, les membres de gang, les leaders de gang, parce que je pense que ça donne un certain privilège à eux qui ne s'est pas mérité. Mais en même temps, nous ne pouvons pas le, le contrôler. J'ai vu avec ce gouvernement, avec les leaders de police nationale, si on fait la comparaison avec l'ancien gouvernement, il y a beaucoup plus de contacts avec le public. Quand j'étais ici, quand je suis arrivé en mars, j'ai vu qu'il y avait ces entrevues avec les leaders des gangs. Mais en effet, les leaders du gouvernement n'étaient pas disponibles pour les journalistes, ce qui n'est pas le cas maintenant. Alors, pour moi, il y a un certain risque de privilégier, les, de donner en plateforme aux leaders des gangs, mais nous n'avons pas le contrôle de, de nos journalistes. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui change, M. l'Ambassadeur, dans les relations entre les États-Unis et Haïti aujourd'hui, dans la lutte contre les gangs armés? Qu'est-ce qui change? Quelle évolution peut-on observer? Bon, nous sommes engagés au niveau du Conseil présidentiel. Je m'excuse, vous êtes toujours à parler? Oui, mais allez-y. Non, non, je vous, je vous écoute. OK, non. <laughs> Il y a un certain délai de vidéo ici. Non, alors bien sûr, nos activités sont directement liées avec la sécurité, soit dans les contacts avec le Conseil présidentiel, soit avec le gouvernement. Euh, nous sommes engagés toujours en termes de nos efforts de renforcer la capacité de MSS, aussi de renforcer la capacité de police nationale. Euh, depuis mon arrivée, il y avait des dizaines de véhicules qui étaient donnés à la police nationale. Nous avons aidé avec les munitions, pour eux, avec leur formation. Euh, nous sommes toujours en contact de voir quels sont les gaps de capacité et comment nous pouvons aider. Avec le MSS, je pense que ce qui s'est passé à New York avec le, les, les réunions de, de l'ONU et le rôle que, à l'époque, le Leblanc, en nom de TPC, a, CPT, a fait, L'entrée du gouvernement haïtien de augmenter la capacité de, d'opération. Parce qu'ils ont vu, il fait longtemps pour renforcer la capacité. Maintenant, il y a des véhicules de MSS. C'est vraiment, c'est une opération internationale maintenant. Et il y a des efforts de même renforcer ces capacités. Mais au long terme, quand nous avons vu la réaction des gangs de continuer avec le conflit vers le sud, vers l'est, vers le nord du pays, à ça c'est hors de plan original, de concept original. Et alors le transfert vers une opération de, de paix, comme le président Leblanc a dit, et quand c'est constant avec notre entretien avec le président Voltaire pendant la visite la semaine dernière, il voit la nécessité d'augmenter la, la capacité, être plus sûr en termes de, de financement des équipements et des effectifs pour assurer qu'il y aura la capacité de moyen terme de faire face à ces gains. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez que le gouvernement haïtien devrait... Négocier une trêve de paix avec les gangs et envisager <coughs> de les accueillir comme <coughs> agents de changement euh, en son sein. Est-ce que vous pensez que c'est une possibilité? Non, en termes de négocier, non. Euh... T'as l'air, t'as l'air. <laughs> on une question, Wendel. Wendell. Wendell m'a dit, ambassadeur est-ce que vous pensez que le gouvernement haïtien est capable de négocier avec les gangs? pour que nous Et on bravo. Bravo et félicitations. Son, aux son anciens et très compétents. Et mon cher Oseo Namoun, aux modèles. Je que vous êtes modèles. Vous êtes des gens qui voulaient faire métier ça. Justement, dans ce style, vous voulez faire là. Vous êtes modèles. Mais pour nous-mêmes, qui sommes des combattants engagés, qui ne peuvent peut-être pas gagner, nous pas la même ligne et nous pas faire le même genre. Mais sauf que... Nous quoi? En avance. En des question encore. En entretien avec le président Voltaire pendant la visite la semaine dernière, il voit la nécessité d'augmenter la, la capacité, être plus sûr en termes de, de financement des équipements et des effectifs pour assurer qu'il y aura la capacité de moyen terme de faire face à ces gains. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez que le gouvernement haïtien devrait négocier une trêve de paix avec les gangs et envisager de les accueillir comme agents de changement euh, en son sein Et non. Alors, question en gain de ba oui, c'est une question à des volets. Et est-ce que vous pensez que la police et l'État haïtien sont capables de négocier avec gangs une trêve de paix, mais qu'on y a venir acheter ton bagage Vincer vient avec Gagnon. Ça veut dire que Wendel, question anti-jean, ou bien ou bai, ou, bai, ou bai? et l'ambassadeur, dit, et ambassadeur a trois possibilités pour lui répondre facile, ou bien on quitte lui répondre. Est-ce que vous pensez que c'est une possibilité? Non, en termes de négocier, non. Euh, il y a plusieurs opérations, il y a plusieurs exemples qui, éventuellement, on a trouvé une solution, mais c'est le fin du processus. Et chaque fois que les gangs a suggéré en CCFU, de, de, c'est toujours pour protéger l'opposition, pour les aider de continuer avec leurs actes criminels. Ils n'ont pas montré l'idée, l'intention de retourner, d'être les citoyens communes. Et avec tous mes contacts avec les Haïtiens, soit de société civile, membres de mon staff, je vois qu'il n'y a pas des Haïtiens qui acceptent l'idée de, de accepter ou bien sûr les leaders des gangs. Il y a bien sûr la question des enfants qui sont membres de gangs. Est-ce qu'on peut avoir un système de DDA Il y avait des efforts dans le passé. Je sais que sans cette big win, ces premières actions pour faire les gangs. Dans, dans certaines situations d'insécurité eux-mêmes, c'est pas le moment pour ce, cette genre de négociation, euh, parce que vraiment, si on donne le temps, ça donne le temps pour les, les gangs de réorganiser, de trouver des nouvelles munitions et, et ainsi. Mmh. En interdisant euh, aux pays membres de vendre des armes à Haïti. La résolution de, de l'ONU écarte donc toute possibilité pour qu'un simple citoyen haïtien possède des armes, ne serait-ce que pour se défendre contre les attaques des gangs, à l'exception des forces de l'ordre. Comment est-ce que cela va changer le trafic d'armes qui sort des États-Unis et de la République Dominicaine, Monsieur l'Ambassadeur? Je sais du côté américain, vous avez déjà vu, il y avait des arrestations, il y avait des gens engagés dans le transfert des armes qui maintenant sont aux prisons. Il y avait une bonne collaboration avec le ministère de la Justice récemment. Ils ont donné certaines armes qui étaient prises par les autorités haïtiennes qui peuvent utiliser aux États-Unis pour prendre un autre trafiquant des armes. Nous savons qu'il y a aussi des autres sources des armes. Ce n'est pas seulement les États-Unis, il y a plusieurs pays dans la région où, où les criminels peuvent acheter des armes. Le contrôle, c'est l'un aspect de MSS avec l'arrivée des, des pays de Caraïbes et d'augmenter un peu l'aspect maritime. Même avec les États-Unis, il y a des petits bateaux qui nous sont en train de donner un garde-côte haïtien pour contrôler mieux. Nous voyons qu'il y a ce risque avec la frontière de la République dominicaine. Nous faisons avec plusieurs autres membres de la communauté internationale des efforts d'aider les relations entre les deux pays parce que la situation maintenant, c'est difficile. Parce que nous voyons, particulièrement si on parle de 400 Mawazo, ils sont en certain contrôle de frontières et il y a des armes qui arrivent. Euh, qui Il y avait les assurances des autorités de, dominicaines de contrôler mieux le côté et c'est un aspect de, de développement éventuel de MSS et de la capacité nationale. Hmm. Euh, l'ambassade américaine a sorti euh, un communiqué pour inviter les gens à ne pas utiliser la rue Romain et qui se trouve à Tabar suite à des tirs nourris entendus dans cette rue et qui est justement à quelques mètres de l'ambassade américaine. Est-ce que vous vous sentez parfois euh, en danger <laughs> euh, Avez-vous euh, parfois peur pour votre sécurité, Monsieur l'ambassadeur Bon, moi, personnellement, je pense que je suis l'un des plus protégés des, des résidents d'Haïti. Et pour le staff américain, notre ambassade, nos résidents sont assez protégés. Mais aujourd'hui, nous sommes en opération limitée. C'est plus pour mon staff national parce que c'est eux qui doivent passer les routes sans les voitures blindées. Alors, c'est pour protéger mon staff qui nous sont en opération limitée. Euh, depuis le commencement de cette crise, jamais on a vu l'ambassade la, ciblée par les gangs, euh, mais il y a toujours des conflits. C'est évident qu'ils sont dans une zone rouge, euh, cette zone de, de, de tabac. Depuis les mois, j'ai vu de plus en plus de, de commerce, même quand je suis arrivé à de Boudon euh, aujourd'hui. J'ai vu que même proche de l'ambassade, il y a assez de commerce, mais c'était pour protéger mon staff national. On a décidé d'avoir des opérations limitées aujourd'hui, probablement demain aussi, pendant qu'il y a ces opérations entre la police nationale, MSS, contre les gangs dans cette région de tabac. Mmh. Monsieur l'ambassadeur, avez-vous entendu parfois les critiques de... Certaines gens en Haïti qui pensent que la communauté internationale, euh, dont les États-Unis par exemple, seraient derrière ce qui se passe en Haïti aujourd'hui. Avez-vous entendu ces critiques, ces commentaires? Oui. Non, et... non, non, non. J'ai vu, eux même aujourd'hui. Et je sais que c'est toujours les gangs et c'est les, les, les gens qui veulent déstabiliser, qui font accusation de, des États-Unis de faire ce qu'ils sont en train de, de faire. Uh, bien sûr, nos entrées, c'est d'avoir une Haïti qui s'est stable, qui s'est en train de vers, retour vers la démocratie, qui s'est en train de développement, parce que la stabilité d'Haïti, c'est important pour tous les pays de la région, bien sûr pour les États-Unis. Ce que nous avons souligné avec les leaders du gouvernement pendant la visite la, la semaine dernière, c'est le moment maintenant. Bon, bien sûr, il y aura des élections aux États-Unis et pour le moment, c'est difficile de voir qui qu va gagner, quel parti sera en, en pouvoir aux États-Unis. Mais n'importe qui, il y aura les questions de sécurité d'Haïti. Et c'est important maintenant que les messages soient unis. Le fait qu'il y ait des conflits au sein de, de CPT, s'il y a des conflits entre le. Le Conseil présidentiel et le gouvernement, ça ne donne pas une image qui est euh, utile pour la communauté internationale, qui est en train de voir le contribution, soit pour la sécurité, soit pour le développement, soit pour les élections, soit pour les opérations humanitaires. Euh, L'ennemi, c'est bien sûr c'est les gangs. Mmh. Et c'est les gens qui donnent appui aux gangs. Mmh. Alors, c'est important à ce moment que le pays soit uni dans cette lutte contre les gangs et pas pour une lutte interne. Est-ce que ça veut dire, Monsieur l'Ambassadeur, que l'option d'une implication directe des États-Unis dans la lutte contre les bandits peut être envisagée ou n'est pas à écarter Cette option n'est pas à écarter. Bon, évidemment, il y aura un changement de gouvernement américain, soit à continuation du même parti ou soit un autre parti. Alors, c'est pour eux, c'est de décider les options. Mm -hmm. euh, mais pour le moment, et je ne vois pas l'appui de population américaine d'entrer dans un autre conflit. C'est toujours notre préférence de donner l'appui nécessaire. Euh, dans le sens bilatéral de, de premier lieu et dans le sens multilatéral avec le MSS ou avec l'ONU. Et je pense que même ces activités des derniers jours, c'est important pour cette discussion qu'ils sont en train de faire à New York aujourd'hui pour avoir vraiment une réaction internationale. C'est vrai qu'il y a plusieurs pays qui ont fait leur contribution de le police, de le militaire pour le MSS. Il y a la France, les États-Unis, Canada, particulièrement Canada et États-Unis qui ont financé l'opération. Mais il y a, on n'a pas vu une grande réaction de tous les pays de la région, de la communauté internationale pour financer et donner les moyens nécessaires pour le MSS. Alors, dans cette sens, c'est important de renforcer la capacité. Mais toujours pour nous, notre préférence est de voir les options multilatérales. Nous avons compris euh, à travers vos propos, Monsieur l'Ambassadeur, que ce qui se passe en Haïti, euh, je dirais même le, 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 le bras de fer, si je peux m'exprimer en ces termes, entre le CPT et la primature pourrait, selon vous, projeter une mauvaise image. Euh... Je, je pense que la phrase créée est « il n'y a pas jeté un chaudier isé pour chaudier neuf ». Alors, <laughs> ça veut dire que ce n'est pas le moment de recommencer au zéro avec le process politique. On a vu et on a salué le Conseil présidentiel pour le progrès qu'ils ont fait en établissant euh, la commission électorale pour l'établissement de la commission, pour les réformes euh, constitutionnelles, même pour établir ce gouvernement euh, avec un premier ministre qui, qui a beaucoup travaillé. Euh, dans nos contacts avec le gouvernement, on a vu les efforts des de gens, particulièrement en termes de sécurité. Dans le, le, monsieur l'ambassadeur. Et je ben vais retourner encore sur question que Wendell t'a posée, ambassadeur, côté que, l'état e ambassadeur, est-ce qu'on pensez que e, il y a des possibilités e, pour l'État haïtien, est-ce que vous pensez que l'État haïtien est capable de rentrer dans la négociation avec Gagnon pour j'ai notre rêve, j'ai la paix en la pays hein? Pour ne pas même ajouter l'autre, et ça Wendell dit, parce que, pas tellement, Welto. Et l'ambassadeur qui répond non. C'est comme si M. l'ambassadeur a, a fait comprendre que... E eh ben, pou yo proteje personel yo nan ambas ambasade yo, nan peyi yo, yo ka pale avek vite lom, men mwen pou m proteje moun taba ki pale akay yo, ki beze tou nan akay yo, ki petet pa ka vive nan la ouy anko, kom si m pa ka pale avek gang nan. <laughs> Aisyen ka le zyon nan dade, e ka le zyon nou, moun ti jan, moun ti jan komanse kompren nan pil bagay we, men anta dey ambasade yo a toujou. Aske goun sitwayen la ki kal fe de komater, Sur l'intervention ambassadeur, là, tout de suite après ambassadeur, là. Qui sont dédiqués, qui veulent avoir des changements, qui utilisent même les ressources du gouvernement pour renforcer le, votre propre capacité. Alors, il y a des mesures positives de deux côtés qui doivent continuer, mais de notre point de vue, quand à l'extérieur, c'est important que les deux groupes travaillent ensemble. Il reste toujours de côté de la présidence. Euh, avec le débat sur le changement constitutionnel, je pense qu'il n'y a pas une vraie politique nationale et il faut penser, et ça c'est le rôle du chef d'État. Il y a beaucoup à, à faire, pas seulement en termes de sécurité, mais en termes de développement, de santé, de, des autres priorités du gouvernement, qui c'est l'obligation du gouvernement, du Premier ministre et son cabinet. Alors c'est le le moment pour les deux côtés de travailler dans le domaine pour l'avancement commun. Euh, on a déjà vu avec la création de commission présidentielle, ça c'était en vérité c'était tous les groupes politiques, toutes les forces vives qui a décidé de travailler ensemble en termes <laughs> de, de futur de pays. Mm -hmm. Et il faut continuer dans ce même aspect jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons dire que le gouvernement dans son ensemble, le CPT et la primature ont le plein soutien des États-Unis. Est-ce qu'on peut le dire ainsi? Oui, non, bien sûr. Euh, si on voit la situation quand je suis arrivé en mars, à, à ce moment, il y avait... La... T'as l'ambassadeur. Même, même pour cette émotion-là, que m'estimais qui peut être... Impotant pou m da pran. Dizole, pe parisien. Me fò m di yon bagay. Ambasade Hollande di e ke son bel bagay ki ou ese tout klas politik la e ki desi di de mi tet yon ansan pou yon travay pou fetu peyi sa, pou demen peyi. Hm. E jounalisa pose kisyon esko vle dim ke Les États-Unis d'Amérique, ben, tout soutient avec le gouvernement ça et, et conseil ça qu'il a. C'est dit oui et non. Oui, comme si même nos Québécois. Et au pouvel. Maintenant, si les États-Unis qui sont les États-Unis, moi même que ma garder là, que me la dans là, la, ma vivre là. États-Unis ça que ma pouvait là, que me à voyager plusieurs côtés là-dedans. La. Si Etats-Unis sa mwè la, tout sa ki pi important pou li si rezultat. Rezultat d'abord. Bataï, goumen, rezultat ki teresil. Lut kap menen, Ukren la ou si, tout pou nkoun ki eska fe bataï la. Etats-Unis, sa ki important pou li el ap chèche. El ap fini pa jwen ni tou ou ta. Petèt ke gido a... il doit non combattre la fait, la il doit il doit gagner l'autre opportunité qu'qu'qu'qu'bagay regardez pour où par exemple et ce maintenant là gagner premier sommet ou bien deuxième sommet BRICS qui fête un pays là aussi vous sentez que l'autre pays va tout profiter de ça pour régler la fête partout. parce que nan, nan, pendant ça fête là des monde qui ont exploité et et, et, et yon bagay pendant la fête là pendant que mon approuvé ben justement que des monde qui a besoin de l'autre bagay pour continuer c'est 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 ça la vie États-Unis ça qui Pongren ba ekip rime pou li se rezultat. Etasouni ki plis pase, 30 l ane depi la pou kolabor avek klas politik sa. Li ba jom pa soubote yo. Li ba jom pa soubote yo. Men si nou di m konsa ke group fatras a okaba ka apkaze Haiti depi do te apkaze lan. Se yo menm ki boule pe yanet, se yo kaze pe yanet, se yo ki fini avek Haiti. Pil fatras a mette tu ansam la, Nous forcez les têtes ensemble parce que ouais que perdu net il ont pris le pouvoir parce que le peuple n'a pas voulu. nous aider au prendre pouvoir si nous disons que nous sommes solidaires avec eux mais faut nous t'a dire pour qu'il résulte pas que nous sommes solidaire avec eux est-ce que nous avons un de haïtien pour qu'il résultat que nous sommes solidaire ensemble avec eux entend ambassadeur ambassadeurs toujours le risque de collapse complet de sécurité construction... On a même parlé de possibilité à ces jours d'avoir une présidente barbecue. Alors, ils ont travaillé, tous les forces ont travaillé beaucoup pour être loin de cette possibilité. Mais c'est important de maintenir cette progrès, c'est important de continuer vers les entrées de, des Haïtiens pour pas retourner à ce même risque que les gangs pour, pour gagner. Euh, Maintenant, je pense qu'un peu de, des activités des gangs est et le fait qu'ils voient un certain instabilité politique. Et ce n'est pas utile de donner cette image aux gangs qu'il y a la possibilité de déstabiliser la stabilité du pays au niveau politique, hors des questions de sécurité et de, des de conflits armés. Les États-Unis, Monsieur l'ambassadeur, supportent la mission MMS qui compterait 2 500 hommes, mais nous avons appris que le camp ne peut recevoir que 1 000 hommes. Quand est-ce que ou encore comment est-ce que vous allez augmenter, vous allez aider à augmenter la capacité Bon. Dans ce sens, oui, le, le camp principal dans la stratégie de gouvernement avec le MSS, il y a des idées d'avoir des autres petites zones de contrôle. Euh, nous sommes déjà avancés d'avoir une petite base de MSS euh, euh, éco-nationale de police. Euh, il y a l'idée d'avoir une autre base euh, au niveau de, de, de porte qui est directement liée avec la sécurité économique du pays. Alors, dans cette sens, c'est l'idée de créer des autres zones de, de, euh, en avance. Et ça, c'est directement, ça, c'était la stratégie de, de MSS, parce qu'on a vu dans le passé, si les éléments de sécurité font on visite dans un zone, mais ils doivent retourner chez eux en euh, fin de journée, ça... Ça veut dire que les gangs seulement il vont retenir. Alors il y a cette stratégie avec l'appui du gouvernement américain et avec les autres partenaires de voir comment nous pouvons augmenter les lieux de, de présence, soit de police nationale, soit de MSS, soit de l'armée nationale. Mmh. Euh, Monsieur l'ambassadeur, il est évident aujourd'hui que la formule CPT est primature bas de l'aile, surtout. Euh, suite au scandale des trois conseillers impliqués dans la corruption euh, présumée, pouvez-vous partager le point de vue de votre gouvernement à ce sujet? Bon, on a lésé aux Haïtiens de trouver leur propre solution. Ce n'est pas idéal et je sais qu'il y a plusieurs qui ne sont pas contents que les impliqués sont toujours là. Mais le plus important était de maintenir la stabilité de l'institution d'avoir une institution qui peut travailler. Je sais que maintenant, avec le rapport de ULCC, ça donne au gouvernement, il doit décider de ce qu'il veut, veut faire avec les gens, s'il y aura une enquête formale ou non. Euh, nous avons accepté et nous avons même salué cette, cette, cette euh, résolution parce que c'était important d'avoir... Une solution pour continuer avec le CPT. Euh, C'est vraiment dans les, le domaine légal du gouvernement de comment il va continuer dans, dans ce sens. Mm -hmm. Pour nous, nous restons toujours, comme on a fait avec les sanctions contre l'ancien président Martelly, de voir quels sont les gens qui sont actifs en termes de déstabiliser. Il y a toujours ces utiles qui sont à notre disposition dans un sens bilatéral de, de, de montrer qu'il y a les gens qui sont contre les entrées de, de populations haïtiennes. Par exemple, quand nous avons fait la visite la semaine dernière, nous, nous avons parlé avec tous les membres du Conseil présidentiel parce que c'est l'institution et nous n'avons pas le choix de dire non, on va parler seulement avec l'un ou l'autre. Deux dernières questions, euh, M. l'Ambassadeur. Comme il a été convenu, on n'allait pas euh, euh, déborder. Deux, deux, deux dernières questions. Euh, okay, D'abord, okay. si les Haïtiens euh, arrivent à trouver suffisamment de fonds, pour payer les frais que réclame le Salvador, par exemple, pour venir résoudre le problème des gangs, quelle sera la position des Américains face à un accord bilatéral entre ces deux États? C'est la première question. Ok, bien. Toujours, le gouvernement haïtien est souverain. Ils ont le droit de faire des contrats, de faire des, des, des organisations de, de, de sécurité. Déjà, si, si on parle d'El Salvador, ils sont déjà engagés pour un déploiement en faveur des MSS, des hélicos d'évacuation pour les gens qui sont euh, blessés dans le combat. Euh, et nous sommes avec eux toujours en termes de, de voir euh, où se trouvent ces hélicos et quelles sont les conditions meilleures pour le présence. Parce que vraiment, on a vu avec le... Bon, maintenant, il y a des, des éléments de MSS à Art Il y a des zones qui sont assez distantes de l'aéroport. Alors, il faut avoir la capacité de transport. Et même, nous saluons que c'était les efforts du gouvernement haïtien qui a trouvé le financement pour l'hélico qu'ils ont eux-mêmes alloué pour aider avec l'assistance aux polices nationales. Alors toujours, c'est le droit euh, souverain du gouvernement de, de faire le propre euh, accord avec les autres pays. La ministre Dominique Dupuis a affirmé euh, récemment que réussir la transition maintenant est plus importante que réussir l'organisation des élections. Qu'est-ce que vous en dites? Je sais que bon. Pour le fait que finalement il y a une CIP, ça c'est important et c'est quelque chose qui n'a pas passé pendant plusieurs années. Ça donne la condition pour avancer vers des élections. Il y a aussi ce comité qui doit proposer en référendum vers le mois de, de février de décider quel type de gouvernement. Nous savons comment sera difficile ces élections parce que ce n'est pas évident qu'il y aura 100% de sécurité dans toutes les régions du pays si on parle des élections en octobre, novembre de, de l'année prochaine. Euh, il y a des options, il y a des options que le gouvernement a discutées, il y a des options qu'on a vues dans les autres pays, mais c'est vraiment, je pense, avec le dialogue de quel type de gouvernement il y aura, quelle sera la participation de diaspora dans ces élections. Quelles seront les conditions de sécurité sur le terrain? Est-ce que ce sera possible pour tous les Haïtiens de faire des élections au même jour? Est-ce qu'il faut avoir une autre formule? Euh, pour nous, c'est important et nous avons noté euh, depuis le commencement de commission présidentielle, ils ont souligné en date finale de leur mandat qui est en février de 2026. Alors, Jusque maintenant, je n'ai pas vu un manque de volonté politique, ni de côté de chef d'État, de, ni de chef, de chef de gouvernement, pour le lieu des élections. Mais il y aura bien sûr les questions techniques, sécuritaires, de voir. Et nous savons qu'il y aura de, de côté de l'ONU, il y aura un groupe de voix les nécessités hein, dans le mois de novembre. Et avec cette étude, euh, je pense que la communauté internationale sera mieux préparée de voir si ces dates sont raisonnables, qui sont, si on peut le faire et comment on va le faire. Mais bien sûr, nous sommes là comme l'un des partenaires principaux pour aider vers ces élections parce que tout ce système maintenant, c'est oh, extra-constitutionnel, même avec les gens de bonne volonté, mais c'est important que la population haïtienne a le droit de choisir le propre leader. Hmm. Merci, Monsieur l'ambassadeur Denis Jenkins, et à bientôt. Non, et merci. Et voilà, nous tapons des ambassadeurs là. Monsieur qui nous quitte commentaire nous, il a continué à quitter commentaire. Nous. Mais pour faire suite avec, pour aider nous comprendre mieux intervention et ambassadeur là. Et Wendell Theodore un travail extraordinaire. Les invités. E, m kapap di nou diplomat Antoine ki pou e do komprenn plus sakso di yo e mwen m met, enterese e di nou pou nou tande lansan ma ven nou paske gen de pou enke m solinye lan intervensyon ke ambasade yon fè an kote ke Wendel Teodo pose l kisyon yo kler man vitande ansan ma ven nou Intervention, professeur Antoine. On en attendant, avec un pire intérêt. Oui, bonjour et euh, merci d'accepter d'être avec nous ce matin pour nous aider à décortiquer l'interview de l'ambassadeur Denison Kent. Ah, bonjour Wendell, bonjour téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices et tout le euh, staff métropole, c'est toujours un plaisir. Oui. Euh, en deux mots, trois paroles, qui sont retenues comme temps fort, comme point fort de cette interview? Moins euh, moi, j'entends des ambassadeurs euh, d'abord parler de un, un big win, c'est-à-dire une grande victoire, un coup d'éclat en matière de sécurité. Euh, je ben, ça extrêmement important. Euh, ça a montré que, euh, y a la recherche toujours d'une stratégie appropriée pour la question de sécurité. Maintenant, au niveau politique, j'entends des tout que et, les États-Unis préoccupés par euh, situation délétère qui existait euh, dans deux sens euh, au niveau politique. à la fois, euh, le caractère bicéphale du pouvoir exécutif, euh, même s'il ne parle directement côté et conseil présidentiel là, avec le premier ministre, là, un, un conflit ouvert, et aussi euh, situation qui prévaut côté qu'il a trois conseillers qui en difficulté politique par rapport aux allégations de corruption. Euh, et vous entendez que l'ambassadeur a essayé de faire comprendre que ça, c'est pas ça le Comme quoi, il <laughs> y a des avancées faites en matière de sécurité. Mais, le mais, il il parlait de il succès. Surtout qu'il parlait de succès et que c'est ça a fait la journée, hein, c'est une réaction des bandits. Euh, à des efforts qui font de la part du gouvernement et la police nationale, la mission multinationale. Je ne mal comprendre. Oui, bon, tout à fait. Je pense que le peuple haïtien certainement salué que la police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti ont fait de gros efforts. C'est évident, nous ne voulons pas décourager ça. Mais pour la plupart des Haïtiens, euh, dans une situation, en chez nous. La situation de sécurité en a fait empiré parce que le fait que nous deux ou trois personnes dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, dans Andimi et Odelma, avec Pétionville, et un petit parti dans Boudon, plus ou moins capable de vivre avec quiétude, n'a pas signifié pour nous-mêmes haïtiens que gain déjà avancé au niveau de sécurité d'ailleurs nous, une mission multinationale d'appui à la sécurité à seulement de tout haïtien à pour son qui nul que euh, moun c'est tout c'est ça à dire mais l'ambassadeur a obligé parce que les États-Unis engagé le, dépenser euh, et elle dit que les États-Unis avec le Canada c'est deux plus grands bailleurs financiers les États-Unis en, en premier lieu euh, donc et là, il a fait fort pour louer s'il est capable euh, pas de ne pas décourager les missions multinationales d'appui à la sécurité, mais nous-mêmes, au niveau de la sécurité, qui s'agissait ouais, ouais, a une police haïtienne qui, à bout de souffle, euh, qui a couru dans tous les sens parce que Bandi est très actif. Euh, effectivement, c'est parce que et n'y a pas de gondes non. Par exemple, on a ambassadeur l'ambassadeur parler de M. Vitellum, il a cité énormément que votre une opération pour essayer de capturer l'. Bon, moi-même, ancien eh, US Marine, m'a dit que si vous avez essayé de capturer euh, M. Vittel vous avez échoué. Lamentablement, ce n'est pas stratégie ça pour être utilisé, ce n'est pas tactique pour être utilisé. Pour moi-même, moi me moi dis euh, bien avant force de que la force de première opération d'envergure que, que, que Mission multinationale d'appui à la sécurité a participé là-dedans, il n'y a pas qu'à échouer. Pour que bien planifié, Uh, au niveau stratégique, faut il faut qu'il bien exécuté au niveau tactique. Uh, si son big win nous a cherché, nous avons lamentablement pour les conséquences, même l'ambassade l'a PL, à travers des de, de gars collatéraux. Uh, l'ambassade a la fait tout ça, bah, des est capable, dans la question on t'a posée, pour être capable de faire le comprendre, pour l'expliquer nous, qui rapporte bien entre les États-Unis avec le avec, eh, groupe qui n'a parage de l'ambassade là. La. Je euh, crois que quelque part, il une salade de mots qui fait que est un petit peu confus. Moi-même, personnellement, je ne sais pas pourquoi dit que les États-Unis ont encore l'ambassade en discussion avec les groupes, euh, avec qui n'a pas là, l'ambassade. Je crois que c'est juste et pour le, pour le, euh, Qu est -ce que là, un petit peu pour lui expliquer ce qui s'est passé. Je crois que c'était des dégâts pour la théorie parce que je ne sais pas le bandit réellement voulait attaquer l'ambassade la frontalement en tant que tel et crois que c'est point ça et ambassadeur Adap dit, mais que l'ambassadeur a été vigilant et a essayé comprendre sa capacité dans les parages de l'ambassade parce que c'est quand même extraordinaire que les États-Unis d'Amérique qui protènent ont un paquet d'équipement avait il pas à protéger a protéger l'ambassade lui mais ma profite de tout pour me dire que les États-Unis pas responsable sécurité de l externe en dehors l ambassade là Uh, sécurité ambassade là, c'est pays d'accueil là, Haïti qui est responsable. Par contre, à l'intérieur de l'ambassade, moi, je crois que les États-Unis ont suffisamment d'atouts, uh, de, 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 de moyens pour défendre tête dedans Mais c'est de y'a, c'est sous responsabilité Haïti. Évidemment, il y a un de problème dans la zone là, où je déclare, ne pas que ni Big Win, ambassadeur, pas C'est un échec pour moi lamentable parce que, à poste là pour et verrouiller zone zones. Euh, on ne pas on ne pas sortir jusqu'à ce que nous soit déposés les armes ou bien goumé et puis et forces de sécurité éliminées. malheureusement c'est pas sacré. je mm. euh, 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 moins ouais que, que ambassadeur en réponse que le Bayou, il parlait tout de risque gain des risques pour la prochaine semaine. Est-ce que Bon oui parce que ouais, excusez Fini. Oui, oui, oui. Euh, les palais de risque pour les prochaines semaines, est-ce que ça veut dire que euh, nous devons nous attendre d'autres attaques de la part des bandits Ou bien est-ce que nous parle parler d'un revirement Bon, et effectivement, la et population espère un revirement. Cependant, euh, est-ce que le possible, sont question de poser, moi, pas dans le secret de l'ambassadeur, euh, maintenant, on fait un entretien même avec collègue qui est extrêmement édifiant avec le ministre de la, sécurité publique, de la justice et de la sécurité publique, qui évoquait on euh, communiqué que était signé, euh, euh, publié, qui dit qu'il y a des moules mal intentionnés, des individus mal intentionnés qui voulaient attaquer le premier ministre. Donc, euh, est-ce que... Euh, Ambassadeur a quelque part fait référence à ça. Euh, Est-ce que l'ambassadeur la, es a fait nous comprendre, euh, tout comme des messages que vous ressortissez ressortissants haïtiens, excusez-moi, américains qui sont aux États-Unis, qui sont vigilants, euh, surtout dans la zone de l'ambassade? Euh, bon, oui, parce que dans la mesure où, où on a une stratégie qui fait que euh, les forces de sécurité entre, entreprennent euh, des opérations qui soldaient un échec, dans la mesure où notre ambassadeur à Homo, l'idéal, c'était de capturer un euh, euh, innocent ou bien éliminer le, neutraliser le. Si c'était le cas, bon, c'est un échec. Et chaque premier échec ça, a eu, attend, nous, à ce que bandits mette en position euh, stratégique pour être capable de faire en sorte que et, jean de bagay pas pas arriver encore. Est-ce que c'est l'ambassadeur qui dit prémonitoire, Si le peut monitorer, c'est qui est, est, est un bagage extraordinairement grave. Et nous devons attendre, nous, à ce que les forces de sécurité haïtiennes prennent disposition pour reprendre. Et nous devons, pour l'ambassadeur, en quelque sorte, ce pas ça le dit, mais limitez nous, nous, en garde contre l'attentisme haïtien au gain sur la mission multinationale d'appui à la sécurité. Parce que l'ambassadeur, même lui-même, Est-ce que le déploiement va est poursuivre Est-ce que tout les policiers ou avec soldats qui pourraient déployer sous terrain? Il euh, n'est pas capable de tout ça. Donc, si les bandits en mode offensif, ou en mode offensif au niveau de la CAE, en mode offensif au niveau de Solino, en euh, mode euh, offensif au niveau même de l'ambassade des États-Unis, euh, police est malheureusement à bout de souffle avec les moyens qui ne sont pas suffisant malgré certains blindés de transport de troupes que ne se donc, effectivement, nous avons donc, Haïti, dans la zone métropolitaine, nous sommes extrêmement vigilants par rapport à l'enlèvement contre Ransom par rapport à des balles perdues. À, à côté que même le gouvernement, que la sécurité du Premier ministre est menacée. Donc, nous connaissons nous ce qui passe, président, côté évoquer matin avec le ministre. Là. Donc, on comprendre que l'ambassadeur a dans ce sens prend nous service que... Euh, Moundou est extrêmement vigilant parce que semblait que le jour plus sombre, euh, que va euh, bon même parler à la Moundou. a analysé par rapport à ça, qui a des deux côtés du gouvernement haïtien et de l'ambassadeur ce matin. L'ambassadeur a dit que il a pas toujours un contrôle journalistique. Là, c'est euh, je fais allusion euh, à image que nous avons, kote euh, ke de jounalist aponkontri de chef euh, de gang konu e euh, ambasade a di ke li menm tout kon preokupi par apon a sa menm dure konen ke li pa gen kontrol tout euh, jounalist Ameriken kapantri an Haiti Tout afe ou jounalist kapantri an Haiti li pa menm bezwen informe ambasade la sil veza li fel fait... Juste pour qu'on ait là, si tu as un problème, on dit évacuer, l'Américain peut évacuer, parce que si la laisser rencontrer avec un groupe bandit, et puis le groupe bandit a soit enlevé, ou bien l'a en difficulté, uh, par exemple, le, et où un journaliste était venu, et CNN vini, uh, uh, bon la, nan, ouais uh, si un aîné était venu, elle vite l'homme. Juste bon l'ambassade, là personne qui um, est exactement, qui est côté. Si on n'a pa... pas été réunie, l'ambassade n'a pas été un pour Ce n'est pas... Écoutez, bon, sommes diplomates dans l'ambassade-là, des deux services, ils ont monde qui là, dit au kidnapping américain, puis ils pensons que nous avons le les marines, nous avons petit les il nous avons dit monsieur Mouchon, mal ne Nous ne parlons pas pour ça. Vous comprenez même que des diplomates, si vous êtes été kidnappés, vous comprenez, ce n'est pas que Cavallière a parlé de débarquer. Donc, non, ce n'est pas ça du tout. Les États-Unis n'ont aucun contrôle sur la liberté d'expression ou bien de fonctionner des journalistes. Journaliste au FFRO, ambassade là, qui ne doit pas même au courant. Hein. Euh, journaliste là, aller sur le site du département d'État, la de Haïti est eh, niveau 4. Euh, pas voyagé, l'Iconza, et les li li prend contact li, euh, en Haïti, qui n'a rien pour avec l'ambassade. Là, on grand pas avec Mais l'ambassade là, pas déterminé. Et qui le un journaliste américain ou bien un freelanceur ou n'importe Amerikien ki decide de la bine la, ou konwe video sou YouTube, kote yo do yo devine Haiti, yo akontre gang, ambasade la pa kon kontrol sa, pouvenoume Amerike pa kon ken kontrol sa, sa. moun yo fe afe pou kontyo, yo pren riksyo pou kontyo, se kontak pa yo ki pa ganye pou yo avèk les Etats-Unis d'Amerik, ambasade la kompletman korek sou sa. Hmm. Eske pa gon go diferans, ou beske gen diferans antre euh, yon atak sou veyikul ambasade? Ambassade-là et on attaque sous ambassade-là. Est-ce que vous avez une différence? Bon, et, en principe, on attaque sous véhicule ambassade-là. Si mon qui tire son, sous véhicule-là, qu'on son véhicule ambassade des États-Unis, son son, on attaque sur les États-Unis d'Amérique. Oui, parce que le véhicule-là jouit d'une euh, immunité diplomatique. Euh, en d'un véhicule là, c'est un peu pareil, en d'un ambassade là. Donc, si vous n'avez pas de fait bon oui, ils sont attaqués sur les États-Unis d'Amérique. Euh, cependant, on dit que, on en a eu, des y a comme ça qui vivait, il est difficile pour déterminer qui est le passé, à l'ambassadeur Abdil, mais ça montre où qui l'ambassadeur et même les lieux qui sont réputés être les plus protégés euh, de la zone métropolitaine de Port-au-Prince et du base antigonite, euh, enfin, la zone métropolitaine de Port-au-Prince, je me suis jusqu'à la et du base antigonite, et Kijan, euh, c'est un petit peu une contradiction dans sa ambassadeur Abdiah, dans sa autorité Abdia, qui s'apparente en quelque peu à une propagande, parce que, oui, on parle de la situation extrêmement corsée, on parle de la sous lit, mais ça a dans quel sens que au Saint-Pri dame ou pour réellement pas en sécurité en Haïti aujourd'hui. Hmm. Moi t'ai posé, ambassadeur en question sur l'option euh, négociation entre le gouvernement et les chefs de gang pour euh, une y dégel situation et comme on connais que ont toujours dit que eux même pas négocier avec les terroristes Et même dans le cas panouan, on me voit que l'ambassadeur en parle, il dit, il dit, non, pas de négociation. Bon, euh, Haïti son pays souverain, premièrement, malgré tout ça nous t'en dit. Donc, ça, autorité Haïti, c'est nous décide de faire, c'est ça regarder et engager que yo même. Justement. Cependant, Haïti implique elle dans... Contexte international à travers la mission multinationale d'appui à la sécurité, que le Conseil de sécurité, le 30 septembre, qui se passait là, euh, renouvellement d'Al avec la résolution 2751. Euh, et puis, bon, il y a une résolution 2752 qui suit, li, qui établit, qui projette euh, le régime de sanctions, euh, notamment interdiction de voyager, gel des avoirs et embargo sur les armes contre moun qui a semé plutôt le deuil, bien, moun kap moun kap deuil a. Donc, sa, ou bien qui ont encouragé, qui semé le deuil dans le pays. Donc, dans le cadre international, il est difficile pour l'autorité haïtienne de une discussion directe avec des gens qui ont des âmes qui appartiennent à des terroristes qui ont terrorisé la population. Uh, il y si a une analyse pour l'autorité au fait. Si on fait ça, qui conséquence ça a t par rapport à relation yo avec la communauté internationale, d'une part. D'autre part, si on stratégie côté que l'autorité haïtienne, comprenne que il y entamé un processus côté effectivement, il y a chercher des big wins, euh, des grandes victoires, des coups d'éclat, côté il y euh, faire fait des opérations offensives pour rétablir la sécurité dans les zones ACG et que un parti dans la politique sahar, c'est mettre un programme en place pour que les terroristes qui décident de déposer des armes, pour qu'ils soient capables d'encourager les déposés des armes, qu'ils soient capables de les liquider, à un processus de désarmement pour qu'ils soient en fait accueillis si vous voulez déposer les armes. Mais dans tout conflit armé, euh, en Russie, en, eh, contre l'Ukraine, Bien ça, côté si nous avons le déposé les armes, pour gens, pour accueillir. Donc, bien ça, à tout. et pour que la communauté nationale qui veut le désarmement, la démobilisation, le désarmement et réintégration, On connaît un bon processus formel dans le cadre du système de l'ONU, il y a des normes qui établissent ça. Qui Donc, il y a une différence entre le processus de DDR, j'aime ce que décrit là, et des mouns qui capturisent en population. Et puis qui voulait dire, euh, impliqué dans ce système politique-là, pou m'patrioriser les populations, euh, moi je m'en avais extrêmement restreint si Haïti voulait reter dans quelqu'un d'international qui trouvait le jour d'hier. Mm. Est-ce qu'autant de réponses ambassadeur a question sous Salvador? Be, oui, l'a dit Haïti son pays souverain. Si Haïti euh, voulait entamer un processus avec El Salvador, il a fait ça. Mais, je ne parle pas pour l'ambassadeur, moi je pensais qu'il y avait une limite Euh, côté autorité nous n'est pas réellement qu'à franchir. Euh, Il y a un commandement au sein de la mission multinationale d'appui à la sécurité euh, qui est, que le, le Kenya euh, a mené. Et le commandement et le contrôle de la mission multinationale. Donc là, réellement difficile est pour Haïti d'entreprendre une activité parallèle avec El Salvador, d'autant plus que euh, résolution 26 49, 19, là. Euh, projet par la résolution 2751 expliquer que pays qui voulaient contribuer à la mission multinationale d'appui à la sécurité ils ont gagné pour informer au euh, fin discuter avec euh, le Kenya et Haïti ils pour informer le secrétaire général des Nations Unies que qu'ils voulaient intégrer la mission hein. euh, et puis au sujet aux règles d'engagement euh, et au concept euh, d'opération de la mission. Maintenant, qui s'arrête d'engagement de Moi, je ne pas qu'on Qui s'arrête d'opération Nous, ne pas qu'on Donc, si ça fait, on va pouvoir venir proposer pour contribuer 1500 à 2000 soldats. On va que ça ne pas réellement arriver aucun côté parce que, mais Haïti est lié par engagement que Kenya prend pour prendre le commandement de la mission multinationale d'appui à la sécurité. So, Donc, l'ambassadeur a dit qu'il est question qu'El Salvador soit qu capable de venir avec hélicoptère d'évacuation de blessés, euh, de personnes euh, qui ont participé euh, ou bien encore de policiers qui ont participé à une mission multinationale d'appui à la sécurité. Là. Et dans ce sens, on ne peut pas même croire euh, que ça veut dire que les euh, soldats euh, et haïtiens qui ont blessé tout, bon, on t'a dit que c'est une opération, on t'a peut pas évacuer monde, ça, tout, euh, mais l'ambassadeur a été flou sur cette question. Ça, euh, donc, c'est la euh, question. -là. Voilà. Alors, nou tap tande e sidwanya isi Amerikien sa, ki tap fe yon nti komantè ou di mwen se den gomwen pi byen intervensyon ke ambasade yon tap fe, biye ke li menm li avansi de bagay pal to. E map di nou ke, nan tout ra le menevini sa yo kap di la, nou dwe rete Haiti son peyi souvren. Nou vle pre engagement pre-engajman. E ou gen pou obligasyon pre-engajman. Ou pa karete pou ap tan entel di, entel te si, entel bagay, entel te di, tel bagay, kon sa wap pedwi. Alors, mbe, 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 wap predwi a zero, wap predwi an kokorat, e pi ou wal goun kantite a isyen kap disparet ki asyo ese si ap jen. Ou pa kate ti moun ap pre-entre nan gang ki pata dwe entre nan gang. Se l'Etat kap kre kondisyon pou entre nan gang. Bien ke, m toujou solenyele, e medam yo ka ple de ramase piti teko pou la tou, ka brene piti teko diot yo, e nou dwe meti bagay devan nou. Ben mwode fok e tou ka ple de anset medam yo tou, ben vore le, si nou te konen tap foud okube biti tiyo, nou, 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 nou tap konen pou nou meti bagay nan devan nou. Ben sans ave kote nou ye. Paske nou sou ekip vore le nou ye, naple na nan sent fi, nepot ki jan, paske nou konen nou pa prenswa biti nou. Si nou te konen nou tap prengajman nou, e bèm se yo okay, ke nou pa tap jam retenan logik pou nou e fe jan e baye sa yo. Et c'était intervention ambassadeur américain, même des balles qui m'ont souligné la donne qui était extrêmement important Maintenant, on finit avec ça. On nous retourne encore une fois sous et, photo de chef de gang qui est plus puissant, que nous connaît, qui t'a tué, qui t'a racheté, qui ki t'a kidnappé en Haïti et qui est légalement au chez vous. Citoyen ça. <laughs> chef de gang notoire criminel de grand chemin, assassin, en dimension tête chargée. Et maintenant, M. Tedéo, il est rentré. Ah oui, M. Tedéo, il est rentré maintenant. Mais M. est rentré dans le pays, il y a Et c'est ça, me dit-on, parce que c'est pour nous. Nous, gon, avons des informations, nous n'avons pas gagner, Nous n'avons pas gagné information correcte sur ce qui a passé dans le pays. Parce que c'est ce qui a passé. Il y a un danger, ça, yo. Kriminal sa, ou se pa de moun ki ta dou rentre nan peyi ya san ko pa gen kontrol yo. Pas se si se de tet chaje yo e. Ebe, msye nan peyi ya, msye ap fe komplo, pasi si pa la, pou msye elimine de moun. Sa kouz map di nou. Atak ki te fet sou gifirib la. Ndi nou se fantom 69 ki te fel. An al ga de kyes ki tap kou ordone. On se di bagay, paske, avek msye fantom 69 lan reaktive, ene gap travay deraj pie, ok pou yo ede, Des criminels, justement, et exécutons cérémonie dans le pays. Maintenant, qui a fait avec Nexan? Chef terroriste, là, c'est monsieur. Les gagnants avaient le CPJ qui connaît dans le pays, il ne va pas dire. rien. Ah oui, le CPJ qui connaît dans le pays, il ne va pas dire. rien. Et puis, il est prêt pour attaquer tout les jeunes, tout ces jeunes garçons qui sont dans le pays pour mettre des dossiers sur eux. Je souhaite que nous prenions engagement responsabilité, non Face à groupe terroriste yo et ben justement, qui prend pays en otage, là. Bataille ça, c'est bataille chaque dans nos colliers. Nous devons prendre engagement, non Nous devons gonfler le poignet, non Pour qu'on pas faire tout que qu'on connaît, pour qu'on puisse retirer Haïti, dans ce qu'elle trouve là. Moi-même, j'aime toujours dire Contribution, pas de m'en bailler. Responsabilité, pas de me prendre. Mais c'est seule façon pour nous sortir, là. C'est ce pas jambes battre Se fè e fò, pou nou toudre se konstitisyon an, konstitisyon anjou vreman, e pou nou pa jam genye koalisyon gang sa yo anko an de dan peyi ya. Neg kiol ki nou e le senatè yo. M sonje, le don kato, tap rentre na palman m bab jam liye sa. Le don kato, ta prantri nan senat la republik la. N sonje, lè don kato ta prite serman, nan senat. N ta prate defile, kante te senate, ki ta prantri an ba. E m sonje, yon deklarasyon ke Senatè richè te fè a l'epok. Le Senat se denye rampa de la demokrasi. Yon wile asemble de saj yon wile asemble de saj le Sénat de la République. Eh bien, c'est des sauvages, des sanguinaires, des voyous, des criminels de grand chemin qui étaient occupé 50e législature là. Et ces conséquences, ça l'a payé là, en 2024. Nous payons le cher. Nous payons le très, très cher. L'autre pays, c'est vagabond. C'est criminel. C'est mon sale. ou quitter, là, à faire politique, yon pa bo lot bagay kon peyi sal. Yon pa bo lot bagay kon peyi santi. Yon pa bo lot bagay keyon peyi pouri. Yon ap gade, misi yon banon Haiti, pouri. Pouri, gaspillé. Yon detwi touton pep. Yon detwi touton peyi. pou regle ti zafè personel yo. Yo gaspille, avni tout an jenès. Nan kreaze, nan brize, nan fè tout zak malonèt. Ki kote, ou nivou senat la republik. Tout si droyen te kampe, ap obseve, briganda yo. sep moun de wè yo, mè nan ge yo detrou peyi ya sonotou. Nan kanpe gade de kriminel, nan kanpe gade vagabon, an don peyi, mè jo diya mè ki peyi kou genye. Gade ek ya itiko ap viv, gade koman jen yo ap viv, Ebi na pou kompren loun pa pren responsabilite nou. Men ki kote, yon men ite nou. Ndoujou dil, batay peyi pa kon fasil. Soutou nan peyi ta kou Haiti. Se gwo gwo men. Se gwo batay. Mal mouten w ekip san zave, ki te okupe espas palman. Men, men yo. Men goup sans ave sa yo, ki tan ba. Men, pa mi tout sans ave yo, nou kal pon ti tan pou ke nou tan de yon intervensyon Per Richet te fe al epok. Le senateur Andri Chis, Andris Richet. Ne touve l'ekstremement important. An nou gade ? Sa se Joslem Brivert gen ap gade sou ekran avèk Jacques Sauvéjean. Sa ou se de archive ke ou ye kredi video pou radio et tele Gine. Lò wè e a iti de trou kon sa ou de rale sa wou pepla. Mèni. Mèni Joslem Brivert avèk Jacques Sauvéjean. Mèni. Joslem Brivert avèk Jacques Sauvéjean. Rika Pierre. Joslem Brivert. Rika Pierre. Gade ou bien. Jairwine El Senatus. Senatèr Salomon. Gade ou bien sou ekran. Mèni. Antonio Shirami Didon Kato. 11 Janvier 2016. <laughs> sa se lè chef de gang sa. Asasin Jacques Rochelan. Te fèk rentre nan palman. Se jou sa mèm. après le prêter serment ou bientôt les taperelles qui sont les validations pour voir sénateur Sena, qui est à peine environ 14 ans il est qui peine rentré à l'époque il non. a mais men chef de gang nord-ouest il y a un assassin président Jovenel Moïse il nord-ouest même j'ai président Jovenel qui est évalué pour plat. mais voilà mais voilà on a le de idée avec eh, comment le sénateur s'arrête encore Pas Carlos le bon ou va bah, dire comme ça Carlos Samba finit le tour mais, sénateur Edozeni, l'homme direct là, l'homme sans filtre, l'homme <laughs> sans filtre. Vous comprenez Mais, bon, sénateur Sali, malheureusement, il n'est pas là encore. Il dit, c'était un bon garçon, oui, mais s'il était un bon garçon, oui, si bon pas qu'on tape dans le collège Justin Privert, t'habites dans même la même lacue avec Justin Privert. Bon, monsieur n'est pas là encore, malheureusement. Moi, c'est lui-même. Monsieur Moury. Nous <t 'en> allons attendre et nous allons regarder et nous allons regarder comment ça tient. Le sénateur Richet. Meni, <muché> un mén chef de gang assassin Jacques Roche là. Yon Poulin et Dimitri Guen qui impliquaient dans tous les de Moïse sur le terrain. Meni, Andadeli, à l'époque qui tape et prête serment de faire exécuter fidèlement le règlement intérieur du Sénat et de diriger ses travaux avec calme et impartialité. Je jure et promets d'exécuter et de faire exécuter fidèlement le règlement intérieur du Sénat et de diriger ses travaux avec calme et impartialité. Veux... An tade wè, an tade intervensyon perichè. Perichè. An tade, lal tade intervensyon perichè, yon citoyen responsable. Yon pense ke, nou peut-et pran pati ki tre komik lan, lan, lan perichè yan, men peut-et gwen ou pati ki nou pa e, 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 prantan Pour okay, que nous cernions la KLI. André des périchés qui t'a parlé ensemble avec M. Sao à l'époque, qui t'a peine rentré. Avec calme et Aujourd'hui, je veux comprendre et accepter l'idée que parmi tous les sénateurs, les 14 sénateurs nouvellement élus n'ont pas été mal élus. C'est pour cette raison. Je veux espérer que dans un avenir pas trop lointain, vous allez pouvoir donner satisfaction à la population haïtienne quand le Sénat aura monté une commission d'investigation pour retrouver si effectivement il y a eu des gens qui ont payé pour venir députer. Pour devenir député ou devenir sénateur d'amour et sénateur et je sais que au sénat de la république là où se trouve le bastion des sages vous serez vous mettre à la hauteur mes propos c'était tout simplement pour vous souhaiter la bienvenue mais la bienvenue dans un espace en difficulté un espace aujourd'hui où tous les yeux de la nation sont fixés sur un espace, même quand nous n'avons pas de femmes parmi nous, ce qui nous fait énormément défaut. Mais je veux espérer que la population haïtienne espère que ces hommes, ces messieurs, ces jeunes, ne vont pas utiliser leur position juste pour faire de la pédanterie mais utiliser leur position pour faire valoir les revendications de cette population en déroute. J'ai bien dit en déroute parce que 10 millions d'individus, dont 90% vivent dans la pauvreté absolue. Il suffit d'aller dans les campagnes, là où vous avez été pour vos campagnes de voir comment ces gens vivent. Il y a des endroits que vous arrivez, vous pouvez même mettre mon dans ou retirer mon nom. C'est vrai. Tellement Kaela est en désolation. Aujourd'hui, le pays a besoin des positions, des positions claires. Vous ne venez pas ici au Sénat de la République juste pour défendre votre... Petit patelin. Les députés sont là pour ça. C'est pour ça qu'on les appelle les députés du peuple. Mais vous, on vous appelle des sénateurs de la République. C'est-à-dire, c'est d'abord les intérêts de la République qui doivent primer. Aujourd'hui, 90% de notre population vivent dans la misère absolue. 90%. Il y a parmi vous qui sont médecins et qui connaissent les difficultés que confronte notre peuple. Il y a des parmi vous qui sont avocats et qui savent comment on est en train de rançonner notre population. C'est vrai. Il y a parmi vous qui sont professeurs d'université et qui constatent chaque jour qu'on est en train de renvoyer les jeunes parce qu'ils ne peuvent pas payer ce qu'on leur demande de payer. Ça veut dire que... Nous avons une situation difficile en face de nous et c'est pour ça que, sénateur, j'ai pris la responsabilité de vous inviter à venir ici ce soir pour faire de vous sénateur de la République, pour que vous puissiez vous engager dans cette bataille que le peuple attend de vous. Je vais simplement, avant de terminer mes propos, vous dire ce qui est en train d'être dit dans la rue, qui est au Prince. On raconte que, comme Simdado, hein, va occuper ça qui a passé là, on manœuvre, on, on bonne qui descend en bas, on et qui a joué, on groupe qui forme, qui va le mettre, et Antonio, qui va le mettre, et Séraphin, qui va le mettre, et Joseph, président Sénat, et puis après, et puis pour même bien 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 continuer si tel est le cas je me retire de cette salle aujourd'hui c'est comme à la crête à Pierrot c'est comme à la crête à Pierrot le pays est en dérive et à la crête à Pierrot de Salines s'est tenu debout et il a dit je veux garder avec moi que des braves si aujourd'hui vous êtes venus pour m'achander, je n'ai aucun pouvoir pour vous dire de partir, puisque vous avez été élus. Mais aujourd'hui, ce que nous voulons, messieurs, et j'aimerais que les caméras fixent tous les sénateurs assis ici, pendant que nous sommes en train de prendre cette responsabilité ultime devant la nation. Ou ke nou dijon ke, enfin, enfin, ya 24 sitroyen ki an pri la desisyon de marchi avek le pepl laisyan. Naf machi avel, naf machi avel, e nap machi avel pou de bon. Emanek eh sa ou senatèr. Senatèr Richet a l'epok, ki natyrelman ou nivou senat la republik lan, Le sa, se te e, en 2016, 11 janvye, le chef de gang Yoel Edon Katoa tap pral reprizante patron l, e, le vob ki gen sojene nan palman. E pala sut nou konen ki pral fetou kaj de riv ke l fe o nivou e parleman haisyen. E ben, senatèr Richet ta tap feti pale. Anseman avèk e, nouvel tèt yo ki apen rivi nan palman, e ben, <laughs> tout sa apen Richet te di yo. nan yo pou re ou pase yon bapye. Nap tonen sou sa nan yon lote edisyon, ke bon Djebeni chak gwen nan nou, ki tap tande ke bon Djebeni Haiti. Dosye Fantoum 69, se tre serye, branche boner, de men si Djeve, paske men se yo etabli yo nan peyi ya, pou yo ekzekwite, kelke so amoun, ki vin pou pale parol pepla, ki vin pou an posisyon, pou man de justice pou prezi nan Jouvena Moïse, ki kampe yon do koman nan Gifilip. Son structure qui est montée en place qui a un résultat déjà. Avec Phantom 69, ils ont déstabilisé Haïti, ils ont crasé le pays jusqu'à ce qu'ils nous vers l'assassinat président Jovenel. Soiriel, tout ce qui était derrière eux, ils l'ont retiré. Le secteur dans la prison, libéré. Le chef de gang suprême, qui est si Ralph, il a rechèvré. Kidnapper de son état. Gang notoire. Ebe monsieur prend pris en exil en Dominique. Monsieur tourne dans le pays et puis, lap kidnappé moun, lap moun en d'un eh bien, nous mêmes nous voulons si compter monsieur là. Monsieur là, aujourd'hui, eh ben, de fait, nous dis, monsieur, nous voulons faire bataille avant. vous ici Moi, je m'appelle, tourné l'autre